Dakar, bonjour. Bonjour le Mali, bonjour le Burkina, bonjour le Togo, bonjour le Cameroun, bonjour la Guinée, bonjour au monde entier. Je suis très très heureuse d'être en votre compagnie dans le cadre de cette émission Matin d'Africa. Ah oui, vous m'avez manqué. Et puis je suis sûre que vous avez été en tout cas très nombreux et très nombreuses à nous suivre du lundi. Comme d'habitude, depuis le lundi, vous êtes connectés chaque matin sur le coup de 8h. Mon coucou et mon premier coucou va à l'endroit de la ravissante Madame Edoukou, Adrienne Nao, qui assure en tout cas à chaque fois sur les antennes de Beni TV concernant la Cité de David, concernant Matin d'Afrique, en tout cas ma soeur consoeur, je pense à toi ce matin très très fort et je prie que le Seigneur te bénisse. Hein. Vous le savez, Matin d'Afrique, c'est un mélange de tout. Quand je dis un mélange de tout, je veux dire que c'est un mélange de bonne humeur, un mélange de joie, un mélange où vous avez également la parole de Dieu en vous. Et c'est en cela qu'intervient le consultant du jour, le prophète Eman Kouadio, qui est revenu de ses vacances. Voilà, le prophète est revenu de Paris déjà. Donc tout à l'heure, on aura les nouvelles, toutes fraîches de Paris. Donc il sera là d'un moment à l'autre. Ça sera la première rubrique de cette émission. La deuxième est destinée à nos annonceurs, nos invités de la direction commerciale et marketing. C'est-à-dire vous qui avez une église, qui avez une annonce à faire passer. C'est votre espace. Donc espace annonce, ce sera également pour tout à l'heure, juste après le consultant. Et nous aurons une autre rubrique qui vous intéresse certainement, ou pour toutes ces personnes-là qui viennent pour la première fois nous prendre en cours, nous parlons d'aller au pays de Jésus. Et oui, nous vous invitons et nous souhaitons que vous puissiez passer des vacances assez spéciales et des vacances super saines en Terre Sainte. Aller au pays de Jésus, c'est aller en Israël, c'est aller avoir des expériences, c'est aller matérialiser la Bible. Et cette partie-là, on va en parler avant la fin de cette émission avec bien sûr le révérend Paulet Ouin. Voici ainsi étaler le menu, mais avant, nous allons vous permettre en tout cas de vous mettre en jambes. Je l'ai dit, le Matin d'Afrique, c'est un espace où nous vous mettons en pleine forme, car tout dépend de comment est-ce qu'on se réveille le matin. Tout dépend de comment est-ce que tu prends la journée. Si tu te réveilles avec un air déjà abattu, c'est sûr que cette journée va mal se passer. Mais quand tu te lèves avec la joie du Seigneur, avec la force du Seigneur, c'est sûr que déjà toutes les victoires de cette journée t'appartiendront. Allez, on va aller avec Lénari qui nous chante les fous de Dieu. Est-ce qu'il y a des fous de Dieu ici? Oui, en Côte d'Ivoire, il y en a une. Ruth Kofi, la folle des folles. Allez, on part en louange, puis juste après, nous revenons sur notre plateau. Si tu es à la maison, chez toi à la maison, que tu as envie de danser avec moi, il faut te lever et puis danser, même si tu ne te sens pas bien, même si tu penses qu'il y a une situation qui est en train de te rendre malheureuse. Maman, lève-toi, loue le Seigneur. Par la louange, les murs de la prison se sont ébranlés. Souviens-toi de cette histoire de Paul et Silas qui étaient en prison et qui ont simplement élevé la voix, ont adoré le Seigneur, ont loué le Seigneur. Les murailles de la prison se sont ébranlées. Il y a de la puissance dans la louange. Il y a de la puissance dans l'adoration. Alors tiens-toi debout ce matin et danse avec moi les fous de Dieu. Allez, c'est parti, Follier. Folie, 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 folie.
je termine la danse avec ce bouquet. Voilà que j'ai retrouvé sur la table. Donc, quand on est fou pour le Seigneur, voilà, on fait des choses inimaginables. Et puis, pourquoi ne pas être folle pour le Seigneur? Vu tout ce qu'il a fait dans ma vie, vu tout ce qu'il a fait dans ta vie. Alors, un peu de folie, ne te fais pas de mal. Je dépose la fleur là où elle était. Et puis, nous allons poursuivre cette émission, hein, je l'avais dit tantôt. Vous êtes à Matin d'Afrique, bienvenue. Si vous êtes bien réveillé maintenant, c'est tant mieux. Si vous avez la bonne humeur, c'est tant mieux. Hein. Installez-vous confortablement parce que nous entrons dans le vif du sujet et nous allons démarrer avec le consultant, le prophète Herman Kodio. Le prophète Herman Kodio est installé en pleine forme. On sent le repos, on sent la fraîcheur, on sent... J'exagère un peu quand je dis la fraîcheur, mais on sent la fraîcheur quand même, il vient de... la fraîcheur. Effectivement, la bonjour, prophète Herman Kodio. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Ça s'est bien passé le séjour. Oui, par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Paris. Oui, effectivement, deux semaines reposant, mais on a profité en même temps pour tourner un peu quand même. Vraiment, il fallait me mettre dans la valise. Tout s'est très bien passé. Oui, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Les frères du côté de là-bas nous ont bien reçus. Dieu merci. Les églises nous ont bien reçus. En tout cas, c'était bon. Dieu merci. Et puis, en tout cas, nous, on est contents de vous avoir avec nous sur ce plateau. Merci. Nous bénissons Dieu également de vous avoir amené sain et sauf. Et amen, puis, amen. Pour le bonheur de nos téléspectateurs, ce matin, nous allons poursuivre en parlant d'un autre sujet, un autre thème qui va certainement leur faire énormément de bien. Oui, aujourd'hui, nous parlerons du rendez-vous avec Dieu. Le rendez-vous avec Dieu. Voilà, d'accord. Le rendez-vous avec Dieu. Et on commence maintenant, on y va? Oui, on y va, prophète. D'accord, on ok. Donc, je vais lire rapidement un passage dans le livre de Genèse, le chapitre 32, le verset 30. On va lire un seul verset. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Voilà, donc Jacob est en train de nous informer qu'il a vu Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes en train de parler de rendez-vous. Il faut dire que dans le contexte de cette histoire, Jacob est en train de fuir son frère Ésaü pour aller vers Laban, son oncle. Et c'est durant ce parcours-là que Jacob va passer une nuit quelque part. Et la Bible dit, quelqu'un qu'il ne connaissait pas va arriver au cours de la nuit. D'abord, ça va commencer par une bagarre. Les deux vont se battre jusqu'au matin. Et puis, quand le soleil va commencer à se lever, la personne va dire à Jacob, laisse-moi partir. Et Jacob va lui répondre, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Mm-hmm. Il va lui demander, donc, quel est ton nom? Il va répondre, mon nom c'est Jacob. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais désormais ton nom sera Israël parce que tu as combattu contre Dieu. Amen. Et tu t'es retrouvé vainqueur. En fait, la vie de Jacob en ce moment précis ne ressemblait à rien parce qu'il venait de quitter son père, il venait de quitter sa mère, il était pourchassé par son frère jumeau qui cherchait à le tuer. Donc à un moment donné dans nos vies, dans ce que nous vivons, il y a des situations compliquées. Tu peux ne pas avoir de père, ni de mère, ni de soutien à l'extérieur. Et pendant que Jacob est en train de faire ce voyage-là, c'est en ce moment-là qu'il rencontre l'homme le plus puissant, ou bien la personne, ou l'entité la plus puissante qui puisse exister. Les deux se parle. Vous voyez, quand tu as un rendez-vous, souvent on dit j'ai un rendez-vous d'affaires, j'ai un rendez-vous d'opportunité, j'ai un rendez-vous de business. Le rendez-vous te permet de caler des choses pour ton avenir. Le rendez-vous te permet de caler des choses pour ta destinée. Le rendez-vous te permet de caler des choses qui te feront du bien. Donc, Jacob est en train de fuir. Il ne savait pas où il allait, il ne savait pas ce qu'il allait devenir. Mais le jour où il a ce rendez-vous-là avec Dieu, la Bible dit son nom change. Il passe de Jacob le voleur à Israël, celui qu'on ne peut pas battre. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on sait ce que représente Israël. Alors, je veux dire à quelqu'un qui me regarde. Vous voyez, souvent, quand on a des soucis, quand on a des problèmes, on s'attelle à chercher à rencontrer des hommes. Je veux que quelqu'un prenne un rendez-vous avec Dieu. Voilà, faut voir le protocole de Dieu. Faut passer par Gabriel, faut passer par l'ange Michel, passe par le fils Jésus, passe par qui tu veux passer, mais je veux que tu prennes un rendez-vous avec le Seigneur. Mmh. Demande une audience, parce que souvent, on le dit, je veux rencontrer le maire, j'ai un problème. Je veux rencontrer le ministre, j'ai un problème. Je veux rencontrer le premier ministre, je veux rencontrer le président parce que j'ai un problème. Je veux dire à quelqu'un qui me regarde, quel que soit le souci que tu as, je veux que tu prennes rendez-vous avec le Seigneur. D'accord, on prend rendez-vous avec le Seigneur comment? Oui, mais c'est ce que je disais tantôt. On lance une audience, tu peux dire à Dieu, j'ai tel souci. On lance l'audience, je veux dire que, en fait, je me mets à la place des téléspectateurs. Effectivement, je réponds à la question. Je veux dire que, comme on appelle, voir le président de la République, on va demander, on va peut-être adresser un courrier, on va suivre certaines démarches, mais dans le cadre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si tu veux, comme vous êtes en train de dire, réclamer une audience, comment est-ce qu'on procède? C'est tout simple. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui le mercredi. Quelqu'un peut dire à Dieu, je veux te rencontrer le mercredi de la semaine prochaine.
Je vais prendre comme peut-être. Ça. Oui, je vais dans prendre. La prière ou comme oui, ça? Dans la prière, justement. Dans la prière. Voilà. Voilà. Je vais m'isoler parce que la Bible dit Jacob était seul. À ce rendez-vous-là, vous voyez, quand tu es face à une autorité, plus rien ne compte. Seul ou sauf ce que l'autorité te dit. Donc, tu pourras dire au Seigneur, j'ai tel souci dans ma vie et je veux te rencontrer la semaine prochaine. Je veux te rencontrer dans 2 semaines. Je vais prendre 1 jour de jeûne. Je vais prendre 2 jours de jeûne. Pas forcément de jeûne, mais je vais me retirer de tout. Je vais entrer dans une chambre. Je vais m'enfermer. Toi et moi, nous allons nous parler par rapport à la situation. C'est-à-dire, je ne veux pas que tu entres comme ça en prière. Non, mais que tu prévois ton temps de prière. Et quand tu vas voir que quand tu vas prévoir, effectivement, arriver à cette période-là, des choses peuvent arriver pour t'empêcher, pour bousculer ce programme-là que tu as tracé. Mais il faut que toi, tu sois ferme pour dire, j'ai donné rendez-vous au Seigneur pour la semaine prochaine, pour le mois prochain, pour le début du mois prochain, parce que je veux que Dieu m'en se parle. Et quand je dis rendez-vous, c'est pour te dire que tu restes enfermé. Mais... voilà, rien ne compte pour toi. C'est pas les prières où tu fais, où tu jettes un coup d'œil sur ton téléphone pour lire ton SMS. Mais ça, c'est pas les prières. Si ah ben. Un coup d'œil, c'est pas vraiment. Bon, voilà. Prière. C'est pas les prières que tu feras où tu vas répondre à un coup de fil. Oui, bon, je te rappelle tout à l'heure. Bon, faut parler rapidement. Non, c'est pas ce genre de prière-là. C'est un rendez-vous où Dieu, tu vas parler à Dieu et Dieu va te répondre. Parce que la Bible dit ce jour-là, Jacob a rencontré. Et la destinée de Jacob est partie de ce rendez-vous qu'il a eu avec Dieu. Les hommes de la Bible, Abraham a eu ce rendez-vous avec Dieu. Tous les puissants hommes de la Bible ont chacun eu ce rendez-vous avec Dieu. Donc si tu veux que ta destinée change, je veux que tu prennes ce rendez-vous-là. Et moi je veux prier pour toi, afin que dans ce rendez-vous, quelque chose se passe. Il a changé le nom d'Abraham. Il était Abraham, il a changé son nom en Abraham. Il a changé le nom de Saraï en Sarah lors de ce rendez-vous-là. Et les choses ont changé. Si tu rencontres effectivement Dieu au cours de ce rendez-vous-là, ta vie va changer. Zachée l'a rencontré, la vie de Zachée a changé. Alors ma prière pour toi ce matin, que l'Éternel te rencontre là où tu es, que l'Éternel te croise, que l'Éternel parle à ta vie, que ce rendez-vous que tu auras avec le Seigneur change ta destinée. Alléluia. Que l'Éternel te donne les orientations futures te concernant. Amen. Que l'Éternel te donne les orientations futures concernant ta personnalité. Amen. Et qu'à partir de ce rendez-vous-là, que tu sortes réveillé spirituellement. Alléluia. Que tu sortes rempli d'espoir, sachant que l'Éternel ne t'a pas abandonné. Quel que soit ton problème, que ce soit la stérilité, que ce soit l'endettement, que ce soit le chômage, sache que ce rendez-vous-là va changer quelque chose dans ton histoire au nom de Jésus de Nazareth. Nous disons amen, amen. Amen, amen et amen. Merci beaucoup, prophète Eman Kwadio. Merci et bon retour parmi nous, hommes de Dieu. Et puis, il l'a dit, prenez rendez-vous avec le Seigneur. Prenons rendez-vous avec le Seigneur à un moment donné de notre vie, quand nous ne nous retrouvons pas. Important de poser la question à qui de droit. Et qui de droit, c'est celui qui nous a créés. Donc, prenez ce rendez-vous-là pour qu'il vous dise ce qui se passe dans votre vie, pour qu'il vous donne une orientation. Prophète, je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Nous marquons une petite transition musicale. Le temps pour nos invités de la direction commercial et marketing de s'installer afin de communiquer sur leurs différents événements. Ton sauveur est là. Il y a longtemps le diable t'a trompé. Il y a longtemps le diable t'a enchaîné. Mais la seule personne qui est capable de résoudre la situation de ta vie, bien-aimé, c'est son nom qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui peut essuyer tes larmes. Oh.
enfantera cette fois. Il faut la laisser. Ton histoire va changer. Allez, Espace Annonce, ça démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing sur ce plateau. Sont installés Félicia Kouassi et Alex Lévy-Lia. Avec lui, nous parlons de la présentation de l'œuvre musicale. On en parlait déjà. Sinon, on en parle hein, ces temps-ci quand même. Sur la chaîne des Bénis, une œuvre musicale formidable qui est sortie, un chantre de l'éternel qui se révèle à travers cette œuvre musicale. Hein. Félicia, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alex, bonjour. Bon, bienvenue, chantre. Merci. Ça va, ça avance bien? Ah, grâce à Dieu. Tout se passe bien. Bien. Est-ce que vous avez des retours quand même de tous vos passages sur la chaîne de Bénis? Oui, bien entendu, on a des retours et on voit bien que notre passage sur la chaîne porte ses fruits. Amen, amen, ah. Amen. Et puis, en tout cas, nous sommes contents hein, que vous puissiez faire confiance à la chaîne de Bénis. Et puis, ce matin encore, nous insistons sur la qualité de l'œuvre. Nous insistons sur le fait que tous nos téléspectateurs doivent avoir cette œuvre absolument. Absolument, comme vous le dites, c'est une œuvre magistrale. Mmh. C'est vrai que nous sommes là pour en faire la promo, mais nous ne le disons pas seulement parce que c'est notre œuvre, mais c'est parce que nous avons consacré à cette œuvre beaucoup de temps, beaucoup d'acharnement, en sorte que le public chrétien, les chrétiens puissent avoir une œuvre qui les honore, une œuvre qui puisse glorifier véritablement Dieu. Mmh. Donc, on veut inviter tout le monde à pouvoir se procurer cette œuvre parce qu'elle pourra faire du bien à bon nombre de personnes. Voilà. Mmh. D'accord. Tu peux me placer, s'il te plaît, juste pour me rappeler du titre de l'album « Toi seul peux tout », c'est l'album du chanteur Alex Lévy. Retenez le nom, Alex Lévy. Alors, Alex, dans quelles conditions as-tu, en tout cas, fait sortir cette œuvre-là? Dans de très bonnes conditions. Par la grâce de Dieu, Dieu a permis qu'on puisse avoir mettre les moyens. Je veux dire merci déjà à mon producteur qui fait mes épiers pour qui a fait mes épiers du moins pour réaliser cette œuvre. On a pris les instruments s'il faut, les cœurs qu'il faut, pour pouvoir donner, comme il a dit, au peuple de Dieu une œuvre de qualité, une œuvre de grâce. D'accord, une œuvre de qualité qui comporte six titres, on en parlait la semaine dernière, moi me concernant, hein, sinon vous êtes passé sur les différents plateaux de Matin d'Afrique, de Midi d'Afrique, hein. Quel est à votre avis le titre qui accroche le plus? Bon, comme on le dirait, on va dire le titre phare, Toi seul peux tout, parce que c'est un titre qui est porteur d'espoir, porteur d'espérance. La Bible dit que Christ en nous et c'est l'espérance de la gloire. Et quiconque n'a point d'espérance ne peut pas avancer, ne peut pas se battre pour devenir quelqu'un. Donc, on veut dire à quelqu'un ici que Dieu peut tout et qu'il est celui qui n'a aucune limite, qui n'a aucun frein. Et dire à quelqu'un que tu peux encore espérer, tu peux encore croire parce que Dieu est là. En tout cas, si toutefois tu mets ta confiance en lui, tu verras sa main agir en ta faveur. Allez, voilà. Où est-ce qu'on peut trouver l'album et à quel prix? Déjà dans toutes les librairies, sur les plateformes et au prix de 3 000. Au prix de 3 000 francs, enfin, on va laisser les contacts à présent. D'accord, vous pouvez nous joindre au 02 58 11 85 et au 48 81 17 17. Voilà, voilà qui est dit. Et toi seul peux tout, hein, le titre de l'album du chanteur Alex Lévy-Lia. Il faut appeler au 00225 au 02 58 11 85. 00225 48 81 17 17 et c'est déjà disponible dans tous les points de vente habituels. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Elle est installée à prison. Elle, c'est Maman Shekina de la mission évangélique La Puissance du Saint-Esprit, vous le savez. Avec elle, nous parlons de consultation prophétique qui aura lieu aujourd'hui, mercredi, sur le coup de 10h. Maman Shekina, bonjour. Bonjour. Bien dormi, bien réveillé. Tout se passe bien. L'homme de Dieu va bien. Tout va bien. Que Dieu soit béni. Allez, sur le coup de 10h, il y a consultation prophétique. Effectivement, sur le coup de 10h aujourd'hui, il y a consultation prophétique. Mais ce matin, je veux déjà bénir la vie de quelqu'un qui me a dit qu'il y a encore de l'espoir. Parce que le Seigneur que nous prions, que nous adorons, il est encore vivant. Amen. Que Dieu te bénisse et que cette semaine qui a commencé soit une semaine de rencontres, de bénédictions, de grandes ouvertures sur ta vie au nom de Jésus. Voilà, je veux rendre le témoignage de ce monsieur qui ce dimanche nous a édifiés tous. Depuis 2002, ce monsieur traînait une plaie à son pied. C'est un fonctionnaire, c'est un corps habillé.
Et cette plaie-là, vraiment, lui faisait qu'il n'était pas à l'aise dans sa peau. Depuis 2002, ça fait combien d'années aujourd'hui? Des années qu'il traversait cette situation. Et après mon passage, il a pris le soin d'appeler l'homme de Dieu. Et il s'est déplacé, il est venu sur Abidjan. L'homme de Dieu a prié pour lui. Et lui a dit simplement, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Il a dit oui, il a dit pas. Ce dimanche, le monsieur a rendu témoin, il nous a montré le pied qui a carrément séché. Amen. La plaie a séché. Et en plus de ce mal qui lui rongeait, il n'était pas homme, il n'était plus homme au fait. Vous savez de quoi je parle. Il n'arrivait plus à satisfaire sa femme. Mais dès lors que la plaie a séché, au jour d'aujourd'hui, sa femme même le fuit, selon ses dits. C'est pour dire à quelqu'un que Dieu continue toujours de se manifester, Dieu continue d'agir. Amen. Et au travers de certains hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui manifestent la puissance et la gloire du Seigneur Jésus. Cet homme dont je suis venu parler, c'est le prophète Henri. Le voyant Henri Père, l'homme extrêmement dangereux. Je dis l'homme extrêmement dangereux. Ce monsieur, tu ne peux pas rencontrer ce monsieur, tu ne peux pas entendre sa voix au bout de ton téléphone et puis il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Ce n'est pas possible. J'ai pour habitude de dire que le ciel est ouvert sur sa tête. Je te dis la vérité. Entre en contact avec cet homme-là et puis ta vie va changer. Quelle que soit la situation Amen. Que tu traverses, Dieu va se glorifier Alléluia. Dans ta vie au nom de Jésus. Donc c'est aujourd'hui à partir de 10h. Prends seulement ton portable, il n'y a pas lieu de te déplacer. De là où tu es, prends seulement ton portable et puis compose le numéro du bonheur. Au bout du fil, tu vas entendre la voix d'un homme extrêmement dangereux et des choses dangereuses vont se passer dans ta vie. Maman Shekina, allez, des choses dangereuses hein, de manière positive hein, vont se passer dans votre vie. Hein. Donc n'ayez surtout pas peur et puis appelez aux deux numéros de téléphone qu'elle va donner maintenant. On y va, Maman Shekina. Les numéros du bonheur sont le 01 60 89 04 le 07 50 30 10. Merci Maman Shekina d'être passée sur ce plateau. Je reprends les contacts pour vous, très chers téléspectateurs. 01 60 89 04 si vous êtes à l'extérieur, précédé cela du 00 225. Donc appelez au 00 225, au 01 60 89 04, 00 225, au 07 50 30 10. Maman Shekina, passez une agréable journée. Merci, merci de toujours nous faire confiance. Et puis j'ai encore des invités qui s'installent. Nous parlons à présent de MIFEV avec la présence sur ce plateau de Marina Kouassi et de Maman Chantal Amani. C'est la 4e édition hein, déjà. Hein, et puis bon, bien entendu, c'est le rendez-vous de toutes les femmes du monde entier, je dirais. Marina, bonjour. Exactement, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Maman Amani, bonjour. Bonjour. Bienvenue, très chère maman. Alors, je le disais tantôt, c'est le rendez-vous de toutes les femmes. On commence à s'habituer, hein, MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur. Des femmes de valeur, exactement. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de la 4e édition. Pour celles qui était là à la 3e édition, ah, c'était merveilleux, c'était fabuleux. Et avec le Seigneur, nous allons de gloire en gloire. Donc, ça Amen. Veut dire que cette 4e édition sera extrêmement puissante. Amen. Donc, j'invite toutes les femmes et toutes les jeunes filles d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, de venir se joindre à nous pour prier pour le foyer, prier pour le futur mari, prier pour le futur fiancé, etc., etc. Parce que vraiment, la famille se bâtit à partir de la force de la femme. Yes. Si la femme est faible dans son foyer, si elle est faible dans sa mentalité, si elle est faible même dans sa vie spirituelle, elle ne peut pas bâtir une famille. Et ça va se passer, ce temps d'intercession des femmes de valeur va se tenir le 14 juillet. Mmh. 14 juillet, ce sera cette fois-ci du côté de Yopougon. Yopougon, Port-Boué 2, au centre Réma. Quand vous arrivez à Port-Boué 2, à Yopougon, tout le monde connaît le centre Réma. Dès que vous êtes dans Port-Boué 2, vous dites, vous demandez à n'importe qui, centre Réma, on va vous indiquer. Allez, voilà. Donc c'est ça. Cette fois-ci, le cap est lancé sur Yopougon. Exactement. La 3e édition, nous étions à Kumasi. Mm-hmm. Les femmes sont venues nombreuses. Mm-hmm. Là, c'est cap sur Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan. Maman Amani. Yopougon, femme de valeur de Yopougon, c'est le moment pour toi. Mm. Tu as eu peut-être des difficultés à venir à Kokodi, à aller jusqu'à Kumasi. Le Seigneur veut qu'on vienne vers toi. MIFEV, ministère d'intercession des femmes de valeur. N'oublie pas ça. C'est un ministère d'intercession. Donc, femme de Yopougon, lève-toi dès maintenant, cours vers le centre Réma le 14 juillet parce qu'il y a quelque chose de spécial pour toi. Il y a des secrets que tu ignores pour toi. La femme sage bâtit son foyer. L'insensé la renverse de ses propres mains. Donc, toi, tu es en train de renverser ton foyer. C'est le moment de courir, de venir pour acquérir les secrets, hein, les astuces qu'il faut pour garder ton foyer. Quand la tempête se
se lève, mm-hmm. il faut bien te dire que Jésus est dans ta barque. Yes. Quand Jésus est dans ta barque, tu es tranquille. C'est dans ce cadre-là que nous allons nous retrouver ensemble pour prier. Il y a des femmes qui ont du mal à prier seules. Mm-hmm. C'est une belle occasion de t'exprimer. Hein? On te donne un libre champ de dire à Dieu tout ce dont tu as envie afin que ta situation soit réglée. Amen. Tu es une jeune femme, tu veux un foyer, viens. Amen. Il y a une maman dynamique qui va te donner des secrets ce jour-là. Yes. Pour que tu puisses vraiment rencontrer l'homme de ta vie. Amen. Quand le Seigneur te donne, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Ce n'est suivi d'aucun chagrin. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas d'être passé sur ce plateau. Donc le 14 juillet, c'est la 4e édition du MIFEV. On rappelle que le MIFEV, c'est le ministère d'intercession des femmes de valeur. Ça concerne uniquement que toutes les femmes. Vous traversez un moment difficile dans votre foyer. Rien ne va dans votre maison. Rien ne va entre votre mari et vous. Rien ne va avec les enfants. Vous avez besoin également d'entrer dans un foyer. Vous avez besoin d'apprendre des béabas. Tout cela se passe là-bas. Nous croyons que la prière est efficace. Nous croyons que la prière peut changer une situation, donc ça vous concerne, femme, et c'est gratuit. C'est un ministère, ce n'est pas une église, donc toutes les dénominations, vous êtes invitées, que vous soyez catholique, musulmane, peu importe, si tu es femme, tu es invitée à ce grand rendez-vous le 14 juillet, sur le coup de 14h jusqu'à 18h au centre Réma de Yopougon, Port-Boué-2. On va laisser le seul contact sur lequel vous pouvez appeler. Voilà, donc pour toutes les informations, vous appelez au plus 225 58 18 92 17. 58 18 92 17. Merci beaucoup Marina Kouassi, Maman Amani. Merci beaucoup les femmes de valeur. Hein. Voilà, une femme de valeur, une mademoiselle de valeur. En tout cas, merci à vous deux. Je rappelle les contacts 00 225 58 18 92 17. 58 18 92 17. Passez une agréable journée. Merci. Le révérend Paulet Oin s'installe à présent. Avec lui, nous parlons d'aller au pays de Jésus, passer des vacances en Israël. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Beni TV The Blessings Channel. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du 14 au 22 août 2018. Vivez des expériences inédites dans ce pèlerinage international sur des sites historiques. Allez, nous parlons à présent de pèlerinage en Terre Sainte. Hein, je vous l'avais dit, hein, je vous ai invité en début d'émission à aller passer des vacances en Israël. Hein, c'est la meilleure des choses à faire, ces vacances. Donc, oubliez New York, oubliez Paris, oubliez où vous voulez partir en fait. Allez en Israël, c'est mieux. Révérend Paulet Oin, bonjour. Bonjour à toi, bienvenue, Madame Kofi. Papa. Oh, vraiment très honoré de me retrouver. Le plaisir, il est partagé. Que la grâce arrose toutes ces personnes qui me suivent présentement sur la chaîne de Béni. Que votre semaine soit véritablement la semaine du miracle dans votre vie. Amen. Dis amen, dis amen, dis amen. Et cette prière vient de quelqu'un qui a fait le pèlerinage au moins 5 fois en Terre Sainte. Je pense que je dois dire un gros amen. C'est important. Allez, donc la semaine des confirmations, c'était la semaine dernière. Sinon, les inscriptions se poursuivent. Hein. Pour vous qui nous suivez, il faut continuer à vous inscrire pour faire partie de la 5e édition d'Aller au Pays de Jésus. C'est bien dit. La semaine dernière, j'étais là pour juste demander à ceux qui voulaient monter avec nous, qui avaient laissé le nom, de passer pour confirmer. Mais j'étais pas passé pour annoncer la fermeture des inscriptions. C'est ça. Et bien là, je suis là maintenant pour dire à tous ceux qui me suivent que nous allons fermer, par la grâce de Dieu, le 10. Le 10, d'accord. Et quand c'est fermé, je pense que déjà pour ceux qui me suivent, nous avons besoin des passeports de tous les pèlerins maintenant, des carnets de vaccination et aussi les personnes qui nous ont appelés. C'est maintenant déjà que tu peux juste encore faire ton inscription maintenant. Parce qu'après le 10, nous serons en train d'organiser tout pour lancer les visas, pour permettre aux pèlerins d'être dans les conditions pour monter en Terre Sainte. C'est pour dire que c'est déjà arrivé. Mm-hmm. Donc, pour nous, la Terre Sainte, c'est un lieu hautement spirituel. Et quelqu'un qui décide de monter en Terre Sainte, c'est parce que cette personne veut changer quelque chose dans le règne de l'esprit. Mm-hmm. C'est l'esprit qui contrôle le physique. Donc, quand l'esprit est confronté à des difficultés, c'est tout à fait normal que vous subissez physiquement ces réalités, ces difficultés au quotidien. Donc nous, quand on monte en Israël, on monte pour poser des actions fortes, des temps forts sur tous les sites énumérés. La Nazareth, Cana,
Mont Carmel, le Jourdain, le lac de Tibériade, Jéricho, le jardin de Gethsemane, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la mer morte, et j'en passe. Il y a tellement de sites à visiter et tellement d'actions prophétiques à poser que c'est sûr et certain que quand tu arrives, tu te retrouveras sans doute. C'est pourquoi tu es monté en Terre Sainte, c'est-à-dire tu vas te retrouver dans le sujet qui t'a conduit en Terre Sainte. Et quand nous prions, le Seigneur nous exauce parce que l'atmosphère d'Israël, c'est une atmosphère sainte. La terre est une terre sainte. Et pour tous ceux qui déjà ont effectué la montée avec nous, peuvent en témoigner. Mm-hmm. Et c'est sûr et certain que les jours à venir, et même vous le voyez hein, au niveau de Béni TV, tout le monde ne fait que parler. C'est ça, il y a les témoignages. Voilà, donc ce n'est pas des choses inventées. On invente rien, on veut simplement permettre à une personne d'expérimenter aussi Dieu dans une nouvelle dimension parce que nous l'avons cru sans avoir vu. Et là maintenant, nous montons en Terre Sainte à partir du 14 au 22 août pour permettre à notre intelligence de bénéficier encore de cette grâce qui est libérée là-bas, parce que la Bible dit que par manque de connaissance, le peuple périt. Et si tu veux évoluer, il faut aller à la recherche de la connaissance. Et à la recherche de la connaissance, c'est aller à la recherche de la source de toute spiritualité, et c'est la Terre Sainte. Et pour les familles aujourd'hui qui me regardent, nous avons des forfaits famille. Il suffit de rentrer en contact avec nous. Mm-hmm. Nous allons vous mettre dans les conditions et tout. C'est-à-dire, quand je dis dans les conditions, certains te demandent, mais comment faire? On va vous aider à monter en Terre Sainte. Donc, les familles qui me suivent, qui me regardent, tu veux monter en Terre Sainte, ça sera possible. Ne dis pas comment ça va se passer. Mm-hmm. Appelle-nous et nous allons nous arranger, te permettre de pouvoir monter en Terre Sainte avec, je dis bien, avec la foi et aussi Amen. L'expérience que nous avons de la Terre Sainte. Mm-hmm. Donc, c'est du 14 au 22 août, mais les inscriptions, nous les fermons à partir du 10. Voici la date qui a été donnée pour la fermeture des inscriptions. Donc, grouillez-vous, dépêchez-vous, faites vite. Hein, si vous voulez, en tout cas, faire partie de cette cinquième édition, il l'a dit, nous-mêmes, nous l'avons suivi tous. Hein, nous avons vu sur la chaîne des Bénis, ses papas, ses mamans qui auront des témoignages de tout ce qu'ils ont vu à la Terre Sainte. Et j'ai même rigolé avec l'un des pèlerins qui disait, par exemple, je pensais que c'était seulement les Blancs qui organisaient ce genre de choses et qui étaient parfaits, mais je me suis rendu compte qu'avec Béni TV, c'était impeccable. Et oui, c'est pas seulement les Blancs. Nous aussi, on s'est fait les bonnes choses. Donc, chers frères et sœurs en Christ, chers papas, si vous avez encore des inquiétudes sur comment est-ce que ça va se passer là-bas, est-ce qu'ils sont pas en train de nous blaguer, est-ce qu'on va bien dormir, est-ce qu'on va bien manger, on te dit, viens et vois. Inscris-toi, fais partie de ce pèlerinage-là, cette cinquième édition, et tu vas revenir rendre témoignage, parce que jusque-là, en tout cas, ça a été un parcours sans faute. Les pèlerins sont revenus. On n'a pas entendu, en tout cas, que quelque chose s'est passé de manière négative, mais tous les pèlerins sont unanimes, qu'en tout cas, Béni TV et King Voyage sont une collaboration qui marche à 100%. Donc, Amen. Inscrivez-vous, papa. Vraiment, donc, avant de laisser les contacts, j'aimerais dire à une personne que la particularité de pèlerinage que nous organisons, c'est la touche de l'onction qui déborde Amen. Lors des visites sur les sites. Mmh. La touche de l'onction qui nous accompagne parce que Dieu approuve ce que nous faisons. Amen. C'est le 88 07 07 93, le 88 07 07 96. Vous pouvez aussi passer à l'église évangélique La Bénédiction, à la librairie, pour faire aussi les inscriptions à partir de maintenant. Allez, Révérend Paulet, merci beaucoup. Nous avons terminé avec vous hein, sur aller au pays de Jésus. Il l'a dit, ce n'est pas un pèlerinage simple. On ne va pas juste se promener et revenir. Hein. On va, on fait des prières, comme il l'a dit. On revient avec l'onction de Dieu. Donc, allez-y. Et puis, c'est sur cette note hein, que nous clôturons cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. Et puis, je vous souhaite une journée remplie de bonheur, une journée remplie de joie, une journée remplie de portes qui vont s'ouvrir pour votre vie. Et puis, on se donne rendez-vous demain sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Ne zappez surtout pas. Restez sur la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV. Il n'y a pas mieux ailleurs. Allez, à demain. Allez plus haut, plus haut. Rien ne va chez toi. Qui a appelé? Quand tout est compliqué, maman. Qui a appelé? Quand tout est difficile, dis-moi. Qui a appelé? Et si ton mari t'a mis dehors? Qui a appelé? Voilà, ton travail est gâté. Qui a appelé? Tu n'arrives plus à manger chez toi. Qui a appelé? Sous-sous au plus haut.
taille là, ça n'a rien apporté. Dans ma famille, c'était adoré le Bouddha. Mais le Bouddha là, ça m'a rien apporté. Dans ma famille, d'autres adoraient le combien. Mais le combien là, ça m'a rien apporté. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui.